Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre, la terre du milieu. Voilà, et on était donc parti pour la route empoisonnée et essayer d'aller libérer... je sais plus comment il s'appelle... Rôdeur des griffes de Bruce. Voilà, alors où est le... Le spot, il est là-bas. Bonjour. Non, on se calme. Voilà, on se calme. Calmez-vous, calmez-vous. De toute façon, c'est fini. Voilà. Ok, Bruce a capturé vos partisans et les a empoisonnés. Oh, le salaud. Sauvez-les avant que le poison ne les tue. D'accord. On y va. On va aller sauver nos partisans. Laisse-moi deviner. Tu as reçu un autre message de Bruce. Ouais, et ça va pas te plaire. Bruce a capturé quelques-uns de tes gars et il les a empoisonnés. Il veut que tu saches qu'ils mourront si tu vas pas les sauver vite fait. Il faut l'arrêter. Pendant que tu te charges de ce problème, je vais retourner pister Bruce. Ratbag et l'immortel, on fait une sacrée équipe. Mignon, ça. J'ai dit Ratbag d'abord. Et c'est qui l'immortel et Ratbag. Ah ouais, d'accord. Bon, nous y voilà. Va faire ce que t'as à faire, et moi je vais aller faire quelque chose d'aussi important et héroïque. Quoi ce truc là-bas? C'est un feu. Semble-t-il. Donc là-haut j'ai un gars, là-bas j'ai un gars, et là-bas j'ai un autre gars. Ok. Donc, moi je vais vouloir aller là-bas. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui va... Allez, allez, hop! Encore un cran plus haut. Triompher de 5 ennemis avec une frappe de l'ombre. Ouais, facile. Hop. Ok, et dans. Bah oui, voilà, mon gars, tu vois. Allez, hop, t'es libre. Next one. Pff, il y a quand même du monde. Et là-haut, il y aurait personne avec lui. Non. Non, forcément. Voilà. Non. Eh ben voilà le dernier. Voilà. Tu rejoins la bonne équipe. Je suis prêt, chef. Et bim, ah, oh,
Oh, le lac de concentration. Du coup, comment je fais pour remonter là-haut, moi? Ah, putain, c'est pas évident. Et à repartir tout là-bas. Voilà. En exécution karaté, mon gars. Oh bim. Oh bim. Voilà, et toi, tu te calmes? Ah non, mais dites donc. Non, mais dites donc. Voilà. Et toi, c'est parce que... J'aime pas qu'on tire dessus. J'avais la moitié de tes talents, je dirigerais cet endroit. Ne le prends pas mal. Hein. Je veux pas t'offenser, seigneur de l'univers. Tu viens pour moi. Triompher du partisan de Bruse. Il est où? Il est où? Bah, mon gars. Voilà. Et non, je ne convertirai pas. Il travaille pour Bruse. Il crève comme un chien. Voilà. Eh ben, ça aurait été vite fait. Point d'aptitude obtenu, 1030. J'en ai plus qu'assez de Bruse et de ses âneries. Parfait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La mort ne suffira pas. Il faut qu'il serve d'avertissement pour tous ceux qui envisagent de suivre ses traces. Eh ? Bon, donc du coup, maintenant. Ça c'est quoi ? Les archers de Morgoth. D'accord. Oh, ils sont encore déplacés, Bruse. Bruse. Où te caches-tu? Il est à Cerigost. Eh ben, c'est parti. On va à Cerigost. J'ai sous-estimé Bruse. Cerigost, c'est ici, je crois. Non, ça, c'est Gorgoroth. Donc, Cerigost, ça doit être ici. Oui, c'est ici. Où est-ce qu'on en est dans la conquête de cette armée? Oh, mais il reste juste à virer les gros, là, et puis à prendre leur place. Et maintenant, je peux même les convertir, puisque je suis niveau 34, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Plus court. Non, mais... Non, mais... C'est le con. Cette map de merde qu'ils nous ont dû sur ce jeu, c'est quand même incroyable. J'ai rarement vu ça.
Les commandes ont ni queue ni sens sur la carte, et, mais c'est une catastrophe quoi. Bah, faut bien que le jeu ait quelques défauts aussi, hein. En dehors des bugs de collision permanents et de ce genre de bêtises. Ils s'en sortent, ma foi, pas trop mal. Voilà, comment ça termine? D'accord. Mais toi d'abord. Looté. Ratback pour savoir retrouver Rodder. Rejoignez-le. Ok, on y va. Rodder, enfin immortel, seigneur de lumière. Combien de noms tu as? Moi, quelques-uns. J'ai vu Rodder, mon Rodder. Tu es sûr de l'avoir vu? De mes propres yeux. Je serais entré dans cette grotte pour le sauver moi-même, mais il est sûrement très bien gardé. Si tu l'as trouvé, ça veut dire que Bruce le voulait bien. C'est encore un piège. Allez, on y va. Je te suis, c'est encore un piège, mais... on s'en sortira, comme d'hab. Ouais, c'est à l'intérieur, à tous les coups. Voilà, explorer la grotte, sans douter. Oh! T'es là? T'as une armée à lever, une guerre à gagner. Ouais, mais j'ai quand même le temps de te botter les fesses, mon gars. Et de te faire ravaler. Parce que mes caragors se sont levés de la patte gauche ce matin. Alors je les laisse prendre. Ils ont rien mangé depuis hier. Tu dois sauver Rodder. Je vais rester ici au cas où Bruce reviendrait. Je dois avouer que j'étais un peu dur avec ce gros balourd. Finalement, ce sera un soulagement pour lui de se faire dévorer par ses caragors. Oh. Mais c'est pas Rodder, ça. Bien sûr que c'est pas Rodder. Tu croyais que j'avais fini de jouer avec toi? Loin de là. Ah merde! Ouh yeah! Oh là là, prends cher, non? Allez, 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 speed. Oh! Bonjour. Par ici, les enfants. Par ici. Voilà. Voilà. Oh l'autre, il me saoule là-bas. Oh putain. Ah, tu crèves, toi aussi tu crèves. Non mais...
Non mais, et puis, vous, barrez-vous. J'ai vu Bruce faire demi-tour, et puis j'ai entendu un tas d'explosions, et puis t'as tué plusieurs... Ah ouais, c'était un piège. C'était un piège. Mais, ne t'en fais pas, j'ai vu où il allait, je vais le pister. T'as vu où il allait? Eh bah, va le rattraper. Oh, qu'il est mignon. Il me regarde avec ses grands yeux. C'était une perte de... Mais crève! Pas si Ratbag parvient à retrouver Bruce. Quand ce sera fait, nous pourrons en finir. Cache leur saloperie de poison. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Du coup. D'accord. Et maintenant, il est à Gorgoroth. Oh, mais magnifique. Oh, mais magnifique. Mais il m'aura fait faire tout le Mordor, lui. Il m'aura fait traverser tout le Mordor, hein. Il est temps de mettre... Bon, du coup, on va farmer un peu ici. On ira... Montre au Mordor ce qui arrive à ceux qui s'élèvent contre nous. On ira s'occuper de... cette saloperie dans le prochain. Donc ici, on a quoi? Trahison. Et trahison. Eh ben, allons nous faire une trahison, ma foi. Ma foi, ma foi. Une petite trahison. C'est toujours si agréable. Bim. Bim. Voilà, j'ai besoin de vie. Merci. Ah non, 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 pas les araignées de merde, hein. Saloperie de bestiole aussi, ça. Oui, et là tu t'arrêtes, tu sais pas pourquoi, mais tu t'arrêtes. D'accord. Bon, bah, il veut pas sauter. Ok. Trahison. Les gardes du corps de Astéron, le fidèle, le conduisent dans une embuscade. Oh oui, embuscadons-le. Rapidement. Surprise. Ouais. C'est donc ici que tu es. Mais pas pour longtemps, mon cher ami immortel. Adieu, mon maître. Oh bim, cette flèche dans la gueule, mon gars. Ah, attendez. La mort viendra de ma main. Aïe, mais putain, mais alors ça, c'est, j'adore ça. C'est putain d'animation à la con qui vous bloque dans une action. Et comme par hasard, bah, quand l'animation s'arrête, vous prenez 3-4 coups dans la gueule, quoi. Ou un, mais d'un gros. Putain. Nourriture pour bête, dégâts par attaque à distance, le feu lui inflige des dégâts, et les dégâts par exécution. D'accord. Donc déjà, bim, tu prends ça, ensuite... Et bim, mon gars. Mais ouais. Mais bim, encore. Très bien, encore. Mais non, mais c'est pas sur toi que je voulais monter. Ok, bon. Allez, hop. Voilà. Recruter. Serre la lumière. Je jure de t'obéir.
Voilà, parfait. J'obéis, maître. T'intéresse. Vous avez dominé Astaru, le fidèle. La forteresse a été affaiblie, la défaite du chef de guerre a désactivé. Bête de siège maudite. Parfait. Quoique j'aurais pu m'en servir pour... Mais bon, c'est pas grave. On trouvera un autre moyen. On n'est pas à ça près. Hop, le petit chat. Et... Le point suivant. Qui se trouve ici. Voilà, allez Tisha, on y va. Mais qui c'est ça? On ne t'a jamais demandé de t'occuper des bêtes par ici. Ça, c'est mon boulot. Douche. Douche, le tueur mort? D'accord. Eh ben, tu t'appelleras Bag. Douche, Bag. Et voilà, mon gars. Ah mais non mais... Ah il me saoule lui, ça y est. Non mais ça y est là, tu me saoules là. Tu comprends ça? Ah putain, et comme par hasard, il y a tous ces potes qui arrivent. Bon. Putain. Quoi, est-ce que ça devient toujours chiant comme ça dès que c'est moi qui joue quoi? Ah bah oui. Ah putain mais fais pas ça bordel, je veux que tu... Ah bah tiens, comme par hasard, je suis en pleine course. Mais non. Voilà, vous allez crever et arrêter de m'emmerder. Oh putain, et voilà, tous les Karagors de la Terre qui répliquent ici maintenant, quoi. Mais non, mais... Putain. Ok, des tirs d'elfes, il y en a où? Oh, super, j'adore, j'adore. Non mais ce jeu, c'est où tout se passe bien, où tout part en sucette, mais ultra vite quoi. Hey, no! Eh non, il n'y a pas de tir d'elfe nulle part. Oh, si j'y arrive, je vais être trop mort de rire. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais tiens, mais vas-y, pourquoi tu le prends pas le contre? Eh non, mais j'hallucine, quoi. Ça fait 4 fois, il me prend pas le contre. Non mais par moment ce jeu il est complètement buggé quoi. Mais genre
complet, quoi. Bon. Déjà, ces saloperies de Karagor qui m'emmerdent. Mais pars-toi, toi, espèce de gros merdeux, va. Voilà, voilà. Vous voyez, ce genre de truc, là. Ah bah tiens, bah oui, bah oui. Ah putain. Il l'a mérité. Non mais là ça me gonfle. Ah putain, bien joué. Bien joué, bien joué. Quoi ? Il va falloir que tu apprennes à te battre en plus. Debout, dépêche-toi. Ou l'on n'a pas fini. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Mais crève putain ! Non, toi tu vas crever. Tu vas crever, je t'ai dit. Voilà. Je t'avais dit que t'allais crever. Oh non, mais oh! Enfin pouvoir aller faire ce qu'on voulait faire. Et non. Voilà, parce que cette espèce d'empaffé de petit merdeux de douche de mythe. Oh, toi t'as du gros loup. Je suis prêt à prendre le risque, mon gars. Ah oui, mais par contre j'ai toujours pas de flèche. Hein. Aïe. Oh putain! En erreur! Non, tu me fais pas chier, toi. Voilà. Et voilà. Pour m'avoir cassé les noix, ça. Voilà, et le truc, il est là-haut. Ah, zut, ça va pas marcher. Voilà. Ok, on va se le faire en speed. Bon, on va essayer. Et après ça, on arrête. Allez. Trahison. Ah putain, j'ai pas récupéré de tir elfique. Faites la queue, les gars. Il n'y aura pas assez d'humains pour qu'on torture celui-là tous en même temps. Pour le Seigneur. Si je l'ai laissé faire. Après tout. Ça va faire du dégât. Miam, miam. Allez-y, il est à vous. Lâtez-le. Voilà. Et maintenant, il est à moi. Tu m'as élu
tes ordres, chef. La forteresse a été affaiblie. Désactiver les portes de fer. Ils ont plus que des portes en bois de merde. Mais les autres, ils sont tous enragés. Ah ben, il y en avait là, des tirs elfiques. Buvez pas de grog, les gars, je l'ai un peu assaisonné. Je l'ai assaisonné sauce rôdeur, mon gars, sauce rôdeur. Oh, toi. Voilà, descend. Et voilà, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal, hein. On est même prêt à la limite, comment dire, à conquérir cet endroit. Ah bah ouais, du coup, ces ex-larbins, en fait, ils se sont retrouvés en bas. Du coup, il n'y a plus personne sur ces remparts. Puisque lui, je l'ai buté. De marché, je pourrais mettre quelqu'un du marché. Chaka, le désabusé. Asteru, le fidèle. Ok. Bah, c'est devenu mon larboum, en fait. C'est devenu mes larbouilles, donc il n'y a plus personne sur les... sur ces trucs-là, donc lui c'est mon garde du corps, normalement, si je me rappelle bien. Ça c'est des gars qui ont des trucs à faire, bref, il ne nous restera plus qu'à buter ce gars-là, scum le damné, récupérer la forteresse. On fera peut-être ça au prochain épisode, ou à moins que ces trucs-là, je les garde pour les faire en live, ça pourrait être sympa aussi. À ce niveau-là, on a 3 points d'aptitude, on y regardera plus tard. À ce niveau-là, on a récupéré des trucs dans l'inventaire, mais c'est pas des trucs terribles. L'armure, c'était une armure toute blanche, en fait. Ouais, c'est ça, elle est là. Oh, comment que tu me niques ? Ah, mais oui, mais c'est ce putain de... c'est comment pour 3 détruire. Voilà. Hop. Oh, cette épée-là est améliorée. La qualité. Bim. Oh, ce rubis. J'en avais pas déjà une comme ça. Ah ben. Non mais n'importe quoi ce jeu de... J'avais pas récupéré une épée? Ah bah si, apparemment, mais je sais pas où il me l'a mise. Ça doit pas être ça, ça doit pas être ça. C'était pas ça. Non mais... L'épée de domination. Recruter un orc de niveau 30 ou supérieur. Oh, bah oui. Bah, garde-la. Garde-la, mon gars. On va s'en servir. Et dans les anneaux, j'ai quoi? Zoro subit 50% de dégâts en moins. Oh, cet anneau-là, il est... Faudrait que je draine un ennemi... Un ennemi maudit. Ça risque d'être compliqué. Mais bon, bah il est temps de s'arrêter. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos conseils en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Dans l'ombre de la guerre.